بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme une conclusion de sa petite série concernant le prophète Idriss alayhi salam, Jésus dit bon, nous connaît qui pour nous bannes musulmans, nous connaît la première création, c'est Adam alayhi salam. De nos croyances, c'est quand Dieu fit mettre le paradis avec son madame, Ève, Hawa, et quand il interdit Zeut pour coster avec un pied, quand Satan fit faire waswasa avec Zeut, waswasa veut dire finalement une bonne tromperie, et je fin coster avec pied, ça qui est capable de reconnaître comme le péché original. Pour un musulman, paix n'a personne qui prend son péché, excepté qu'il lui-même. Pour un musulman dans la religion de l'islam, chacun assume sa responsabilité. Si Adam alayhi salam, Adam l'incosté avec pied là, il assume sa responsabilité, il retourne à la terre, il vient à la terre et il vive. Pas ça qui moi pour faire à cette terre, ça peut venir la cause, la base, Adam fin fait un péché. Non. Moïna, le choix, je connais qui appelle bon pas bon et le créateur finit de moi l'intelligence. Je fais une bonne action, je vais être récompensé. Je fais une mauvaise action, je vais être puni si je ne vais pas repentir. Paix n'a personne qui peut prendre mon charge, paix n'a personne qui peut prendre mon péché devant le créateur. Deuxième et dernier, quand nous guettons dans le chapitre 5, la table servie à Al-Ma'ida, nous trouvons dans la fin à partir verset 116, conversation qui pourrait être dans nos croyances, dans le Coran, avec Risa et Salam, Jésus, depuis ce Créateur. Quand le Créateur suprême pour demander, ô toi, Jésus, fils de Marie, est-ce qu'il te fait dire, Bandimoun, prends-toi comme un Dieu autre que moi? Ou vous gagnez le chapitre 5, verset 116, qu'au-delà, là, Risa les salam, ni même ni Jésus, il vous dit, Zami mon Jésus, si moi tu dis Jésus, tu peux connaître. Donc pour nous, quand nous pouvons lire ce récit-là, c'est là que nous arrivons, distingue nous avec les autres personnes, qui, comme nous finissons dire à plusieurs reprises, Risa les salam, Jésus, il reste comme un prophète. Parce qu'il devait verset 116 dans chapitre 5, il nie qu'il dit c'est lui-même fils de Dieu. Et il dit bon Dieu, il dit Allah, si moi tu dis tu peux connaître, parce qu'il te connaît qui est à l'intérieur de moi, moi on ne peut pas connaître pour toi. Donc ça pour nous, un musulman dans la religion de l'islam, il connaît sa verset là, qui verset 5, verset 116 de chapitre 5, c'est le point qui Risa alayhi salam l'innocente li depuis la parole qui dit les mêmes fils de Dieu. Ça qui m'a fini dire là, li pas depuis moi, li pas depuis mon opinion, li depuis le Coran, livre qui tout bon musulman prend comme autre manuel, qui autres suivent ça qui est dans la dent, qui les soit autre mode de vie, qui les soit autre la loi et surtout qui les soit autre croyance. Ça, c'est ça qui est un musulman libisain et n'a de sol et qui est de sol la foi pour un prophète, un messager qui a une grande valeur en la personne de Risa alayhi salam, Jésus, connu aussi comme Risa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, qui dans la religion de l'islam nous fait donner le plus grand respect, nous fait donner plus grand amour et les formes portées de tout bon prophète qui le créateur finit envoyer et juste après lui, lui donne la bonne nouvelle qui pourrait être un prophète pour venir après moi et ce nom, c'est Ahmad, c'est Muhammad, c'est à partir de là qu'un musulman lui commence à suivre le prophète Muhammad paix soit sur lui. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmarin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.